Tu vois, maman, je dois choisir le bon pinceau pour que l'œuf ne casse pas. Encore. Tu vois, ce pinceau est trop dur, mais celui-ci est bien doux. Très bien, Caillou. Tu aimes peindre les œufs, maman? Oui, Caillou. Mais tu sais ce que j'aime encore mieux? Chercher des œufs. Chercher les œufs au magasin? Non, non, dans le jardin. Pourquoi chercher les œufs dans le jardin? On n'a pas de poule chez nous. Oh, n'est-ce pas? Non, les œufs dont je parle ne viennent pas d'oiseaux. Ils sont plus sucrés que les autres œufs et très délicieux. Ces œufs sont faits de chocolat. Et encore mieux, ils sont apportés par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques? Oui, il va gambader dans le jardin et cacher des œufs de Pâques pour que tu les trouves. Le lapin de Pâques va cacher des œufs en chocolat dans notre jardin? Oui, Caillou. Allez, maintenant, Dodo, repose-toi bien pour être prêt à chercher les œufs demain. Mais comment le lapin vient ici? Où c'est qu'il garde les œufs? Il a pas mal aux pattes de porter des œufs? Il est temps de dormir maintenant, Caillou. Ferme les yeux et quand tu te réveilles, tu peux aller chercher les œufs. Le lapin ne viendra pas si tu es éveillé. Un petit coup d'œil fera pas de mal. Gilbert, on doit trouver le lapin de Pâques. Où est-il passé? Oh, wow, des œufs en chocolat! Le lapin doit être derrière le pot de fleurs. On est à la recherche des œufs de Pâques et du lapin de Pâques. Jamais le lapin de Pâques. Il est trop rapide et très fort à se cacher. Il est coincé maintenant. Caillou, que fais-tu donc dehors à cette heure de la nuit? Caillou, tu devrais être couché. Il est vraiment tard et tu ne devrais pas être seul dehors.
À l'année prochaine. C'était un jour très spécial, car aujourd'hui, Caillou et ses amis allaient à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc. Es-tu excité pour la chasse aux œufs, Caillou? Je pense que oui. Que dois-je faire? Eh bien, les cloches ont parcouru le parc en cachant de délicieux œufs en chocolat que vous pourrez trouver et vous devez tous les chercher pendant que les lapins sautent autour de vous. Waouh! On peut tous les manger après? Oui, bien sûr! Caillou a beaucoup aimé l'idée d'une chasse aux œufs de Pâques. Il était sûr de pouvoir trouver le plus d'œufs. Bonjour et bienvenue à la chasse aux œufs de Pâques! Bien, êtes-vous tous prêts? À vos marques, prêts, partez! Caillou partit aussi vite que possible chercher les œufs cachés. Tout le monde s'amusait à chercher des œufs en chocolat, mais Caillou n'en avait pas encore trouvé. Caillou a finalement repéré un œuf. Il se cachait sous un buisson. En voilà un! Hé! C'était mon œuf! Caillou a repéré un autre œuf. Celui-ci était caché sur une branche d'arbre. En voici un autre! Caillou devenait très fâché. Chaque fois qu'il trouvait un œuf, quelqu'un d'autre le lui prenait. Allez, revenez tous maintenant. Vous avez trouvé tous les œufs. Soudain, Caillou aperçut un autre œuf en chocolat que personne n'avait vu. Il était tellement excité et le ramassa avant qu'on ne lui prenne. Vous vous êtes bien amusé! Combien d'œufs avez-vous trouvé? J'en ai trouvé 4. J'en ai trouvé 4 aussi! Et toi, Caillou, combien en as-tu trouvé? Un seul. Caillou était très déçu. Tous ses amis avaient trouvé beaucoup d'œufs. Lui n'en avait trouvé qu'un. Même Mousseline en avait trouvé plus que lui. Ne t'inquiète pas, Caillou. Si je te donne un de mes œufs et que Clémentine t'en donne un, nous en aurons tous 3. Ouais, le chocolat est meilleur quand on le partage avec des amis. Merci, wow! Un chocolat! Sont tellement délicieux! Caillou trouvait que la chasse aux œufs de Pâques était très amusante. Même s'il aurait aimé avoir trouvé plus d'œufs, il était très content d'avoir des amis avec qui partager le chocolat. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon! Qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie! Le petit déjeuner! Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui! Caillou,
J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Caillou? Hé, Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa balle et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera. Et avant de l'amener à la maison, je dois emballer la nourriture de Gérald et ses jouets dans mon sac. Oh, et son ballon. Au revoir, maman. Au revoir, Caillou. Bonjour à Gérald de ma part. Bonjour, Gérald. Es-tu excité de venir à ma maison aujourd'hui? Je t'ai fait un endroit exprès près de mon lit. C'est vraiment accueillant et on peut jouer tout le week-end et... Gérald? Pourquoi tu n'es pas encore réveillé? C'est l'heure de l'école. Gérald, il est temps de sortir. Oh non! Gérald est parti! Gérald? Gérald! Gérald, montre-toi! Bonjour à vous tous. Rejoignez vos places pour le... Caillou! Oh, mais que fais-tu là-bas? Gérald a disparu! S'il te plaît, assieds-toi, Caillou. Je vais expliquer. Écoutez tous. Comme vous l'avez tous constaté, Gérard n'est plus là. Où est-il? Gérard était un hamster très heureux, mais aussi très, très vieux. J'ai bien peur que cette nuit, dans son sommeil, il est mort. Mort? Oui, mais il a vécu très longtemps et vous aimez tous vraiment énormément. Mais c'était mon tour de le prendre chez moi. T'inquiète pas, Caillou. Tu le prendras quand il reviendra. Eh bien, Léo, désolé, mais Gérard ne reviendra pas. Quand quelqu'un meurt, il ne revient pas. J'ai bien peur que nous ne reverrons plus Gérard. Désolé pour Gérald, Caillou. Il a eu une vie belle et heureuse. Je sais, mais il va vraiment me manquer. Pas faim, Caillou? Pas même pour la glace? Merci. Puis-je sortir de table, s'il te plaît? Ah, bien sûr.
Je ne te dérange pas? Je suis désolé pour Gérald, Caillou. Je sais qu'il était ton ami. Mais sais-tu aussi ce que je sais? Que toi, tu étais son ami. Tu l'as vraiment rendu très heureux. Et aucun de vous jamais ne l'oubliera. Mais je ne pourrai pas le voir, ni jouer avec lui. Je sais. Mais tu te souviendras des moments partagés. Et des souvenirs comme cela, eh bien, c'est pour toujours. Je pense que Gilbert dit qu'il va jouer avec toi, si tu veux. Merci, Gilbert. Aujourd'hui, tous dessinez ce que vous voulez. Mais cela doit être quelque chose qui vous rend vraiment heureux. J'ai décidé de dessiner Gérald, car il était mon ami. Il est parti maintenant, on ne le reverra plus. C'est très triste. J'ai donc dessiné mon souvenir préféré de lui. Mon papa dit que les souvenirs sont éternels. Ainsi, je pourrai toujours regarder ce dessin, me souvenir de Gérald et me sentir heureux. Au revoir, Gérald.